C'est pas possible, Ali, il est toujours en retard, c'est un truc de ouf. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez des gènes. Comme il a dit lui. Bang 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec la brigade des fast-food. Je vais retrouver Isma et Ali, les brigadiers. Mais qu'est-ce qui se passe, brigadier? Tu t'es blessé? Rien de grave. La vidéo. C'est le Covid. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo. Bon. Nouvel épisode, vous êtes t'es chaud quand même? Tu veux pas qu'on appelle les secours? Non, t'inquiète, c'est bon. Ok. Il faut juste. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un d'endurant pour la vidéo du jour. Il a rien. Aujourd'hui, on est à Chelles, dans le 77. On était déjà venu l'année dernière faire un resto dans le coin, un truc à volonté. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un. Je vous dis ou pas? C'est un steakhouse. Ça s'appelle Met Steakhouse. Ça a ouvert il y a quelques mois. Il y a une partie. À volonté pour les accompagnements et tout, et une partie viande d'exception. On avait déjà fait un truc dans le pavillon sous bois, je crois, c'est ça? Ouais. Un truc dans le genre. Là, j'ai l'impression que c'est des viandes vraiment d'exception. Steakhouse, une maison, du steak, un buffet, que des raisons de kiffer. C'est parti. Allez. Bonsoir, brigade des fast-food. Ah, il y a le petit goût de petite fit. C'est ça, d'abord. Merci beaucoup. Protocole sanitaire. Ah là là. Et après, il faut laisser notre numéro de téléphone et tout ça, c'est ça? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Je peux vous filmer? Oui, bien sûr. Ah, super. Nous sommes... Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes la brigade des fast-food. Ok. Nous sommes donc à Met Steakhouse. Okay. C'est ça, on est bien. Vous êtes venu à la bonne adresse. C'est vrai? Exactement. Alors, du coup, ici, je sais qu'il y a un buffet, je sais qu'il y a c'est tout ça, ce qu'il faut. Exactement. Je vais vous expliquer de A à Z. Parce que notre menu se fait en deux parties. Comment tu t'appelles? Azad. Azad. Voilà. Ah, parce qu'il va expliquer tout de Azad. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Bah, suivez-moi. On va vous installer déjà. Ok. Bon, du coup, les gars, ça y est. Aujourd'hui, c'est pas fast food. Hein. Aujourd'hui, c'est restaurant. Voilà. On est servi à la place. Azad est là. Voilà. Alors, du coup, explique-nous un petit peu. Bah, je vais vous expliquer parce que le menu se fait en deux parties. Vous avez une première partie avec le menu buffet à volonté. En fait, voilà, vous avez un prix, vous avez tout le buffet à volonté. Je vous présenterai le buffet, on a des entrées froides, des plats chauds et des desserts qui varient tous les jours, qui sont frais. Et en plus du buffet, vous avez le droit à une viande au choix. Voilà, okay. Qui est servie à table par les serveurs. Ils viennent genre cuisiner, faire cuire la viande devant nous et tout ça? Ça, c'est la deuxième partie de la carte. Voilà, c'est la partie intéressante. Okay. C'est tout ce qui est à partir des savoureuses, où vous avez des viandes vraiment d'exception, de qualité. Ou pour certaines viandes, vous avez un show qui est franchement dépend du show. Les mecs sont déguisés, ils dansent et tout. C'est ça, vous avez un vrai show qui illumine les yeux. Ah, et ouais, surtout qui avec gustativement aussi après. Qui met en appétit. C'est ça. Et vous êtes vraiment pas déçus. D'accord. Pour les pertes, parce que je sais que vous mangez bien. Qui vous a dit ça? Je vous suis depuis longtemps. Okay. Je sais que vous mangez bien. Parfois, une viande ne suffit pas, même si les viandes sont entre 400 et 600. On a des viandes à 1 kg 2 aussi. Ah, ouais, c'est pour plusieurs personnes, ça. Ou deux personnes. Ouais. Il y a des gens qui le prennent tout seuls. Ceux qui ont faim. Et franchement, c'est pas mal. Voilà. Ok. Et du coup, venez, on va voir le buffet. Taboulé fait maison, purée de tomates fait maison, salade macédoine, tout ce qui est classique. Ça, c'est une salade d'aubergine. Ouais. Tzatziki. C'est feuille de vigne qui est pas mal. D'accord. Salade d'aubergine, d'une autre manière. Salade de pommes de terre, des œufs, ce qui reste classique. Ah ouais, là on est sur les accompagnements ou c'est même pas des accompagnements ça? C'est vraiment des plats. Ah donc en plus de notre viande, on a des plats quoi. Voilà, c'est ça. Genre il y a du gratin de courgettes. C'est ça. Il y a du bœuf sauté. Pardon, je fais ton travail. Ouais. Non. On a du bœuf sauté avec des légumes à l'intérieur. Ah, il saute. Il fait sauter le bœuf. Pas mal, brigadier. C'est pas mal. On a des épinards à la crème, de la moussaka. Je sais pas si vous savez ce que c'est. J'adore. Aubergine, viande hachée. J'aime beaucoup aussi. Ah ouais. Ensuite, on a des haricots verts. Ouais, ça on peut pas. On n'est pas autorisé. Du blé qui est l'incontournable. Ça, j'adore. L'incontournable des Mehmet. Dans chaque restaurant de Mehmet, il y a du blé. Est-ce que, brigadier, vous pouvez nous faire du blé sauté, s'il vous plaît?
Tu me fais ? Ouais, allez ! Allez ! Les desserts restent classiques, hein. On a des crèmes brûlées faites ici, parfois on a du riz au lait, on a des salades de fruits, etc. Et le reste, bah, ça reste classique pour un restaurant à volonté. Ouais. C'est pas des desserts faits maison, ceux-là, non ? Non. Non, pas tous. Pas tous. C'est pas notre spécialité, on est plus entrée, plat et les viandes. Ouais. On est plus sur ça. Ah ouais, et ça c'est la vitrine, c'est ça, avec les viandes. On n'a pas pu tout mettre parce qu'on n'a pas assez de place, mais on en a quelques-unes. Des viandes d'exception, par exemple le tomahawk. Ah ouais. Il est entre 1,2 kg et 1,3 kg. Ok. C'est une viande à partager à deux, bien évidemment. Ensuite, on a la classique côte de bœuf qui est à 550 grammes à peu près, qui est, comme vous pouvez le voir, il est vraiment balèze. Ouais. Ça c'est le T-bone, pardon. Ça c'est le T-bone. Hein. Ça c'est le T-bone. Ça reste toujours de la côte de bœuf. Ok. Ensuite on a ça, c'est les viandes des burgers, c'est de la viande hachée faite maison. Eh hey, mais c'est des super steaks. Ah oui, ah oui, c'est les gens ont du mal à le finir, hein. Ah ouais, steak de ouf. Ici on a de la viande hachée avec du fromage à l'intérieur. Ah c'est genre des c'est comme des ça c'est mon kiff, ça, hein. Ça c'est vous, ça, tu sais quoi, vous pouvez avoir toutes les viandes d'exception de la terre. Ouais. Moi ça c'est mon truc, c'est le nirvana. Ah mais ouais, ça. Mais grave. Vous allez pas être déçus, alors. Sérieux? Pour la partie buffet à volonté, vous avez le droit à une viande. Ouais. On a les brochettes d'adana faites maison. Ouais. Brochettes d'agneau, brochettes de poulet, et ensuite vous avez kefta, steak et bavette. On n'a pas pu les mettre. Présenter la partie grillade, en fait. Ah ouais, c'est tout de suite au charbon. Bonjour messieurs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tout est cuit au charbon et on a un four spécial pour les viandes d'exception qui les cuit vraiment exceptionnellement parce que faut garder une certaine tendresse dans la viande et ce four le permet. Voilà. Là on est parti repérer les entrées au buffet, mais en entrée j'ai envie de me prendre un peu de moussaka. Normalement c'est un plat, mais ouais. Pas, c'est raisonnable ou pas? Ah oui. Je kiffe trop la moussaka. C'est un truc de ouf. Tiens, vas-y, approche. Oh là là. Oh là là. Sans rien de ça là. Bon, c'est pas une entrée, hein. C'est n'importe quoi ce que je fais, hein. Avec ma petite salade d'aubergine, ouais c'est n'importe quoi. Ah bah voilà, bah toi aussi finalement. Là on est allé faire un petit tour au buffet pour manger des entrées plats, mais il y a aussi des entrées à la carte qui sont pas comprises dans le buffet, qu'on a commandé. Ouais, mais lui il se réserve vraiment, lui c'est une petite nature. Moi mon entrée c'est une moussaka, bah voilà. Technique, j'attends le sérieux, Et moi c'est pour ça que je trouve super intelligent. Non. Parce que les sièges sont super moelleux. T'as la flemme de te lever pour te resservir. C'est un truc de ouf. Et la moussaka elle est super bonne, hein. Flo il s'en fout des sièges, il mange. Tu lui parleras des sièges un autre jour. Sur un tabouret, je la mange ta moussaka. C'est un bon jam. Oh. Ça c'est les entrées à la carte. Exactement. On a le bœuf fumé au cheddar. Non. C'est ça. Eh, c'est plutôt du cheddar au bœuf fumé, hein. Ça dépend du point de vue, voilà. Ensuite on a le carpaccio à la mozzarella. Attends, mais ça c'est des entrées pour une personne ou les gens ils se partagent? Ben normalement c'est une personne, mais il y en a qui partagent, il y en a qui mangent, voilà. Non, ah non, on rigole pas sur les entrées. Ah bah ouais. Et ensuite la salade de berger, voilà. C'est une salade classique avec du fromage feta. Voilà. D'accord. Eh, vas-y Isma là. Montre-moi ce que c'est là. Oh, on va goûter ce bœuf. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est bien fumant. C'est ça, c'est chaud. C'est halal, hein? Ah merde. C'est halal. Il pose la question une fois qu'il a mangé, au cas où ça le soit pas. Franchement, c'est excellent, c'est tendre. Il y a du romarin. Franchement, c'est super. Vous avez vu? À l'époque, quand on l'a trouvé dans son snack, il connaissait rien. Maintenant, il reconnaît le romarin. Avant il reconnaissait que la sauce andalouse algérienne. Maintenant il reconnaît le romarin, les gars. La progression, mais la progression. T'es un génie. Oh le génie. Publicité. Faut pas oublier la sauce quand même. Nawels, c'est la base. Alors, t'en penses quoi? Et je l'ai pas touché, franchement, c'est super bon. C'est normal. C'est... En fait, c'est inexplicable. Ce qui se passe en bouche, la viande, elle est tendre. Il y a ce goût de cheddar prononcé avec ses épices. C'est waouh. On est obligé de goûter, Ali. Et ça, là. Ah bah ça, là, il a pas attendu qu'on donne le tape. Il a lâché la caméra. Normalement, c'est toi qui vas en cuisine, ça, là. Qu'est-ce que tu veux? La cuisine, elle est venue à moi, là. Tu veux goûter ça, là? T'as goûté, toi? Ouais. Bon. La sauce cheddar, c'est une vraie sauce.
Limite, c'est une soupe. Tu pourrais la manger comme ça à la cuillère. Et la viande fumée, là, très bonne. Hein. Et les gars, regardez, 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 ça arrive. Oh là là. Là, il y a du chariot, les gars. Oh, il y a de l'or. Attends, mais ça brille, ça brille. C'est de l'or. C'est des tortillas dans de l'aluminium. Attends, je sais pas. Alors du coup, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est genre des kefta. C'est un mélange de plusieurs viandes. Il y a du poulet, de l'agneau, de la dana, c'est de la viande hachée. Et la viande hachée au fromage. Ah, ça, c'est notre truc. On a dit tout à l'heure, t'as retenu. Voilà. Oh là là, et ça, c'est quoi? Attends, je me lève. Qu'est-ce que c'est? C'est du papier d'aluminium? Alors, non, c'est de la feuille d'or. Ah. Non, c'est genre le steak comme Franck Ribéry? Exactement. Le golden steak? Exactement, c'est ça. Donc chef, vous, il paraît que vous avez travaillé chez Nusret, à Dubaï. 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 Ah, oui. Donc vous savez faire ça, là? Ouais. Oh là là là. Oh là 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 là. Là. Il est là, le chef. Eh, c'est fort. Et donc là, c'est le golden steak. Donc c'est le steak qu'a mangé Franck Ribéry, qui avait fait scandale à l'époque. C'est de la feuille d'or. C'est de la feuille d'or. En fait, c'est du bœuf. C'est du bœuf de très bonne qualité, recouvert d'une feuille d'or comestible. Et ça change quoi? Ça donne un goût? C'est juste pour la photo? Savoir. C'est plus pour la photo qu'autre chose, mais c'est digestif, quoi. Du coup, comme il y a de la feuille d'or, bah, ça coûte plus cher parce que ça coûte cher, la feuille d'or. C'est ça, exactement. Okay. Eh, les gars, il va falloir le déguster, ça. Hein. Ouais. Et alors là, le show, à chaque fois qu'on vient à table, qu'on prend ce genre de viande, le chef nous fait le show. Oh, classe. Oh. Oh là là, attention, il va mettre le sel. Oh. La viande est bonne. Oh. Oh. C'est de la viande, hein. C'est de l'or. Je posais ça à table et il y a une autre viande juste derrière. D'accord. C'est toute la côte de l'agneau. Oh, j'adore l'agneau. C'est une viande exceptionnelle. C'est ça. C'est le carré d'agneau. Le carré d'agneau. Le carré d'agneau. Oh là là. Isma, regarde, il assiste au spectacle. Et c'est pas fini. Encore ? Le meilleur pour la fin. Ah bon ? Il y a un dernier show qui arrive avec un peu de flamme. Ça, c'est le locum, on appelle ça. C'est du bœuf très tendre qui va découper et avec un petit show à côté. Voilà. Là, ça coupe. Oh là là, ah, ah. Oh là là. Et là, il va mettre la viande. Oh. Oh là là. Ah, c'est génial. Et là, c'est un vrai show. Bravo. Bravo! La petite touche de sel. Aïe aïe aïe. J'ai percé le secret de Star. C'est quoi? Ah! Attends, montre, ça se voit! Bon, les gars, là, on a l'embarras du choix. On a déjà un petit peu goûté la viande à l'or. Alors, c'est vrai que, bon, très objectivement, c'est une très bonne viande. Je pense que le fait qu'il y ait de l'or, ça change strictement rien, à part le fait de pouvoir kiffer et voilà. Donc dédicace. Alors à Ribéry. Ici, elle est à 90€, je crois, la viande, ça dépend laquelle, mais le golden steak, je crois. Ouais. Je crois avoir vu sur la carte. Et allez ça. Mais voilà, la viande est très très bonne en elle-même. La feuille d'or, c'est pour le kiff, quoi. Viande excellente. En plus, Isma, toi de base, t'as du mal avec la viande saignante. Ouais, mais s'il vous plaît, m'insultez pas en commentaire. J'aime pas saignant. Je mange déjà. Tu vas voir. Là, il prend un petit morceau. C'est la première fois que je veux manger une viande saignante, mais c'est parce que c'est une viande. Alors.
franchement la viande elle a grave du goût. La feuille d'or on la sent pas. Moi mon petit... En fait j'arrive pas à comprendre le principe de la feuille d'or de payer plus cher. Ouais. Je trouve pas trop barré, chacun fait comme il peut tant qu'il kiffe sa vie. Mais je trouve ça un petit peu... Bon, je suis d'accord. Hein. C'est un autre débat. C'est pour ça aussi que Ribéry, il s'était fait beaucoup insulter sur les réseaux sociaux, surtout que là, lui c'était pas 90 euros. Il lui avait vendu 1500 je crois. C'était une plus grosse pièce de viande, mais... Eh Franck, viens ici, c'est 90 euros, c'est moins cher, viens ici. Et t'as vu les copières? Ouais. Aucune originalité, aucune personnalité, aucune... Oh là là. Il y a un truc que j'aimerais bien goûter, ouais. C'est des kefta au fromage. C'est ça, tu crois? Oh là là. Alors ça. Et en plus, regarde, il me reste un peu d'or. Donc kefta au fromage, oh là là. Alors magnifique. C'est super bon. Et ça, même sans or, c'est de la tuerie. La viande, la kefta en elle-même est bonne. Parce que le kefta, c'est toujours bon, n'importe quel or. Mais fourré au fromage. Alors, c'est leur purée maison, ça. Il y a du fromage dedans ou quoi? Regardez comment c'est beau. Malgré, je les kiffe, hein. J'ai un message aux végétariens. Ils arrivent à reproduire des burgers, etc. Reproduisez-moi ça. Le jour où vous ferez ça, là. Oh là là là. Charal. T'as pas déjà eu assez de problèmes avec les végétariens, toi? Ah, c'est bon, ça. Végétarien, rien, mais de chez rien du tout. Végétarien en rien du tout. Je suis désolé. Je respecte les végétariens, mais là, non. Attends, parce que le show c'est bien gentil, mais il faut voir ce que ça a donné. Là, c'est celle qui l'a fait flamber dans le beurre. Merci. C'est bien grillé, c'est fondant. Ah, celle-là, elle est bonne, hein? Ah ouais, franchement. T'as goûté celle-là, Ali? Oh là là, là-bas. Ah, il y en a plus en plus. Il y en a plus que. Et ça flambe encore là-bas. Un jour, il y aura un vrai incendie dans le truc, et tout le monde fera bravo, bravo. Alors qu'en fait, il y aura un vrai problème. Ils vont snapper et tout. Ouais, c'est ça. Et le mec, non, 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 mais là, faut fuir. Ouh. Ah là là, mais quelle ambiance. On a mangé encore beaucoup, même s'il en reste beaucoup. Oui, c'est pour et regardez, qui c'est qui ramène? C'est pour la souscription. C'est Ali. Et alors attention, parce qu'elle nous a dit que quand il reste des choses, quand ils n'ont pas débité toute leur viande et tout ça, ils donnent à des associations. Et ils nous ont dit de faire passer le message, si vous êtes responsable d'une association, parce qu'il n'y en a pas toujours, voilà, manifestez-vous, écrivez-leur sur leurs réseaux sociaux, on vous met ça dans la description. Et comme ça, bah, vous pourrez récupérer cela et voir ça avec eux. Les amis, votre avis? Isma, Franchement, no comment. C'était super bon de A jusqu'à Z, tant l'accueil que la nourriture que l'ambiance, un 10 sur 10. Plus qu'un c'était super bon, c'est en fait, on a tendance à croire, ce qui est le cas d'ailleurs, que dans certains restaurants comme tel, où la plupart des choses sont à volonté, que la viande est de mauvaise qualité, alors qu'ici c'est tout le contraire. La viande est de très bonne qualité, propose des mais pas à volonté. Attends, je finis quand même. Ouais, mais je promets de pas exprimer, faut oui, dire. Oui, je finis quand même. Ah, ils sont dans le débat. Ouais, non, mais voilà. Non, attends, parce que quand tu proposes un buffet à volonté, tu mets de la viande, d'ailleurs, mais de la viande qui est pas de qualité. Exactement. Ici, la viande est de qualité, la cuisson est de qualité, ils respectent la viande. Mais pas à volonté. C'est important de le dire. Ah ouais. Après, les Français ont d'avoir. Les Français veulent des chiffres. Vraiment, très, 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 très bonne note et vraiment beaucoup d'encouragement pour le personnel aussi qui a l'air de travailler très dur et la restauration, le restaurant est très haute qualité. Très haute qualité. Franchement, là il y a du show et c'est vraiment du show qui tient la route. Pas juste le gars qui arrive, qui te met du sel et qui te met une petite flamme. Contrairement là, à... là c'est des vrais trucs. Ouais, non, contrairement c'est vrai à d'autres. C'est vrai, niveau show, ils sont très chauds. Ouais, ouais. Ça brûle. Oui, d'ailleurs, c'est chaud, ça brûle. On va gâter le coin. Dédicace au Magic System. Et n'oubliez pas, on l'a pas dit là, de vous abonner aux Instagram des Brigadiers là. Hein. Imagine, on mange à l'étranger, on va en Turquie cette fois-ci. Pourquoi voir la base des bases. Je vous rappelle que quand ils auront chacun 25 000 abonnés sur leurs Instagram, nous partirons faire une vidéo à l'étranger. D'ici là, petit pouce vers le haut, abonnez-vous aux Instagram des Brigadiers parce qu'il y a des concours, il y a des surprises, il y a des trucs que vous savez pas forcément quand vous regardez juste les vidéos YouTube. Vous abonnez à ma chaîne YouTube et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian. Voilà, je me fais une auto là. Il y a un tournage, monsieur. On n'a pas. Avec la dent. Faut penser au tire-bouchon quand on achète la bouteille. Bah ouais. C'est comme t'achètes des cigarettes, t'as pas le briquet.